Moi, quand je vois chaque monde, qui est-ce qui invite? Ça, c'est une grosse discussion. Bavli, Serge Joseph a entré dans la discussion, Pasteur Darlene a entré, Semi Darlene a entré et Frère Trésil a entré. Mais la première invitation nous a été adressée par le Frère Trésil. Frère Trésil m'a dit n'a pas. Et là, je suis venu, je voyais deux délégués. Je voyais Pasteur Darlene avec Semi Darlene. Et puis, ils sont venus, ils sont restés là. Ils sont venus, ils sont restés. Eh bien là, bon. Non. Mais ce n'est pas prophète, passe. Amen. Ils sont venus, ils sont là, bon, ils ont été, là, bon. Si vous avez goûté, ils ont goûté, ils sont là, bon, ils ont été. Donc, nous disons, bon Dieu, merci pour vous. Et que bon Dieu a utilisé l'église à Pasteur Darlene, qui est utile à l'église. Et c'est pour ça que bon Dieu relè nous. Et c'est de ça que nous allons parler maintenant. Utilité dans l'église là. Nous allons parler de la parabole des deux fils. Je vous invite encore à découvrir ce texte avec moi dans Matthieu chapitre 21. Bam li pour même pour mettre dans l'histoire du contexte à partir du verset 23 jusqu'au verset 32. Matthieu le chapitre 21e, le verset 23 au verset 32. Jésus se rendit dans le temple et, pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répondit « Je vous adresserai aussi une question et, si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ?» Mais ils raisonnaient ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avons-nous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Et il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Que vous en semble, un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Parole du Seigneur. Nouveau Testament dit-nous que Jésus a gagné 30 ans environ lorsque le commencé ministère terrestre, d'après sa Luc rapporté nous dans Luc 3, verset 23. D'autre part, Matthieu a soutenu que le ministère ça, que Jésus a gagné sur la terre là, il était allé dans trois champs d'action. Il était montré nous dans Matthieu 4, verset 23, que Jésus était qu'on guérit, qu'on fait miracle. Deuxièmement, Jésus était qu'on prêchait. Et troisièmement, Jésus était qu'on enseignait. Pour Jésus enseigner, l'icône utilisait une série de figures de style. Tant que par exemple, exagération. Là, l'utiliser exagération, c'est juste pour asséner une vérité. Parce que exagération te permet au Seigneur pour te insister sur un point. Par exemple, l'icône a dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Dans Matthieu 5, verset 29. Jésus était utilisé également l'hyperbole. L'hyperbole, lui-même, lui était décrit une action qui paraît impossible. Tant qu'il était dit, valait un chameau.
valer un chameau pour un chameau passer dans j'ai un zégui par exemple ou du moins encore verset nous plus habitué avec lui nous remet ouais paille qui dans j'ai frais pas noir nous refuser un gros poteau électrique qui dans j'ai pas nous d'après Matthieu 7 verset 23. Le Seigneur t'est qu'on utilise également des jeux de mots, enfin pile jeux de mots, il y a les jeux de mots ou bien encore des calembours. Et lors de Matthieu 23 verset 24, il parlait de chameau parce que nous étions là, nous voulions être là-dedans, il parlait de chameau, il parlait de chameau, il parlait de moucheron, il parlait de moucheron. Mot utilisé pour chameau en langage araméen, c'est le mot gamla. Mot gamla. Et tandis que le mot utilisé pour moucheron, c'est le mot galma. Gamla, galma. Il dit, n'a pas chassé chameau, bien chameau, il utilise gamla et puis galma. Donc, vous venez comprendre que le Seigneur, il était un maître dans l'enseignement. Et Jésus était qu'on utilisait l'analogie. Analogie, c'était une comparaison qui était créée, une ressemblance entre deux choses de nature différente et deux choses sérieuses qu'on introduit par une conjonction tant que comme, tel que ou bien par un verbe ressembler ou paraître. Par exemple, Jésus dit disciples, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Dans Matthieu 10, verset 16, ou bien encore dit, malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que mes sorties. Donc le temps nous manque, mes frères et sœurs, pour nous parler de yon proverbe, de énigme, de interrogation, de gestes symboliques le Seigneur te qu'on utilise. Mais nous voulons, on gens attirer l'attention matin sur l'autre figure de style que nous relais la métaphore. Métaphore là, c'est comparaison qui utilise un terme concret pour exprimer une option abstraite ou bien, on dit encore par substitution analogique. Tandis que ou te qu'attendez dit l'œil est la lampe du corps. Si Jésus t'a fait analogie, il t'a dit l'œil est comme la lampe du corps. Mais il dit l'œil est la lampe du corps. Ça veut dire c'est pas analogie, il est très direct, sincèrement direct. C'est ça fait d'ailleurs que monsieur yo t'a dit Jésus pas enseigné comme les scribes et les pharisiens, que Jésus enseignait avec autorité. Il enseignait avec autorité parce que c'est le maître. C'est le maître de la parole, c'est le maître du verbe. D'ailleurs, pas même le maître du verbe encore. On l'appelle le verbe. Il est le verbe. Il est logos. Le logos spermaticos, la parole. La parole engendrée. Cette parole qui a été faite chair. Donc, Matthieu voulait porter devant une métaphore que Jésus t'a utilisée. Il y aurait la parabole des deux fils. La parabole des deux fils, une parabole, c'est une figure de style qui propre à moun qui a vu en Orient, dans la parabole là, il prend une figure d'un bagage qui a passé sous la terre pour illustrer une vérité éternelle ou bien une vérité céleste. La question que nous pouvons nous poser ce matin, c'est quelle vérité, quelle leçon le Seigneur a-t-il bien voulu nous enseigner? Nous allons répondre à la question ça en dans le texte ça, le texte de Matthieu chapitre 21 du verset 28 au verset 32. Scribes et pharisiens ont connu ça, ont gagné une haine implacable contre l'enseignement et la mission de Jésus. Chaque jour levé, monsieur Sayo a metté piège devant Jésus. Mettez piège pour faire qui ça? Puis on prend Jésus dans propre parole. Puis on lague Jésus à terre. Mais Jésus lui-même il était convaincu que mission Tafeya, c'était la mission du Père. C'était venir créer un monde, recréer un monde, remettre le monde encore dans la présence du Seigneur, dans la présence de Dieu. Et dans le texte là, à la fin, les versets 31 et 32, il montre l'objectif que le Seigneur a gagné en dans le texte là même, parce que pendant qu'il avait essayé de jeter lui-même il a gagné dans la confusion. Est-ce nous là? Jésus l'a gagné interlocuteur lieu de la confusion. Parce que l'y fait réfléchir. Si nous dit, quand est baptême, j'en ai sorti. Si nous dit, c'est bon Dieu l'a dit pour ça, quoi?
si nous dit des hommes, foule la plapide nous. Li portait interlocuteur lio à réfléchir. Li lagueyo de la confusion. Mais frères et sœurs, les hommes connaissent très bien que grand bon Dieu qui existait. Mais les hommes refusaient admettre l'existence de Dieu. Le bon Dieu yon bagage l'a cherché Jésus spécialement l'a cherché c'est pour ramener nous à Dieu, ramener nous au Père. Mais les hommes parlaient à côté bon Dieu. L'homme garde dans texte là Matthieu chapitre 21 verset 28, Jésus commençait par poser une question. Que vous ensemble, un homme avait deux fils. S'adressant au premier, il dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Lire les deux petits, il dit, je dis à nous, doué à travailler dans le jardin. Nous voulons noter premièrement que ce commandement de Jésus, ou bien ce commandement du Père est un commandement raisonnable. On garde tout d'abord la nature du commandement. Travailler dans la vie. Travailler dans la vigne. C'est ça. Et c'est ça, mon Dieu, chercher le monde qui peut travailler dans le champ. Qui est-ce qui veut le travail? Mais mettre la besoin de monde. Cap travail dans le champ. Il y a besoin de monde. Pour qui ça? Parce que l'homme a été créé pour travailler. Bon Dieu va créer l'homme pour prendre plaisir comme ça. Non, plaisir vient après. Et bon Dieu, bon nous exemple. Non, le septième jour, il se reposa. Il y aura le temps pour le plaisir. Mais le plaisir après le travail. Après six jours de travail, le septième jour peut être un jour de repos ou un jour de plaisir. L'homme a été créé pour travailler. Dans Genèse chapitre 2, lorsque bon Dieu fait une fête, l'homme, il place l'homme, il dit c'est pour travailler dans le jardin. À ce nom-là, de pour ça l'homme fait, bon Dieu fait l'homme pour travailler. N'a pas retourné sur ça tout à l'heure. Deuxième bagaille, le Seigneur décrit le champ du travail en deux textes, la sphère du travail. Qui portait l'homme pour le travail? Dans le champ du Père. Va travailler dans ma vigne. Dans ma vigne. Lui dit, tant travail là. Aujourd'hui. Va travailler aujourd'hui. Ça laisse supposer que monsieur te qu'on travaille déjà. À ce nom-là. Monsieur te qu'on travaille aujourd'hui. Mettre la relève, il dit jodia. C'est dans le jardin, pas pour le travail. À ce nom-là. Qui ça m'a dit? Dans le jardin, pas pour le travail. Pendant le temps pour nous jouer à Timon. Dans le pays, Pam nous dit Timon pas commandé. Et bien, monsieur qui te fait chanter femme pas commandé, il veut quand la femme pas commandé. Non? Et puis, il commande, il apprend à mes femmes. Et dans le pays, femme a commandé. Il dit dans le pays, femme pas commandé. La caille, nous, femme pas commandé. D'ailleurs, c'est la méthode même de l'éducation. Parce que Emile Durkheim, dans Sociologie et Éducation, il définit l'éducation comme étant l'action des adultes sur les générations qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. Si c'est l'action des adultes, les enfants obéissent au commandement des parents. Et bien, si monde qui commandait, c'est grand monde qui commandait. Et il n'y a pas quelqu'un qui voulait comprendre
jardin papa, c'est jardin qui doit intéresser pour petit. Non, parce que je dis pour papa, demain pour la vie. Le texte a dit, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Ça veut dire, il doit produire intérêt la caille de mon nom. Ça pour papa, je dis, il y a pour moi demain. Période de travail réclamée aujourd'hui. Pour ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour de travail. Aujourd'hui, c'est jour de lumière. Moun reme travail la journée. Parce que on dit leur travail la journée, gan pile opportunité présentée devant ou est clair parce qu'il y a lumière. C'est jour de lumière, jour de grâce. Aujourd'hui, un jour de lumière, jour de grâce. Jour d'opportunité. Et chaque opportunité que le Seigneur mettait devant nous, nous devons saisir. Moun pa jamais mais ouais travail comme étant opportunité. Travailler dans le champ de Dieu est une opportunité. Je suis là parce que je veux non matin. Je suis là parce que je suis bon non. Je suis là parce que c'est un privilège. Je suis un privilégié. Si bon Dieu te baille des anges, possibilité pour prêcher, moi je ne vais pas prêcher encore. Je vais faire bien parce que je suis en présence de mon Dieu. Go pas quatre bagages que tu as fait, moi m'avoir mon privilège. Bon Dieu baba au droit ça pour prêcher. Il moi même avoir des vases de terre, des vases de poussière que bon Dieu baille privilège ça pour nous prêcher la parole de Dieu. En plus de fois nous pas prendre ces privilégiés que nous y. Nous prenons droit comme étant droit par nous. Comme affaire par nous. Nous comprenons, c'est pas affaire par nous. L'évangile c'est l'affaire du maître. Amen. Platon te dit que la république c'est la chose du peuple. Respublica, c'est la chose du peuple. L'évangile c'est la chose de Dieu. L'évangile c'est la chose de Dieu. C'est une grâce que mon Dieu fait pour me mettre là, pour me prêcher l'évangile. Bah bon, si ça fait l'apôtre Paul dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais c'est parce que la nécessité m'en était posée. Et elle dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. On ne peut pas dévier de sujet. On était papa et les deux petits qui ont dit, al travail dans le jardin. On a des réponses étranges que petit yo baille. On dit réponse à réponse étrange et diversifiée des deux fils. Premier petit a répondu, je n'irai pas. Je ne veux pas, je n'irai pas. Bon, même avoir comme papa, ou dit Timoun, ne fait tel bagarre, dit mon papa fait ça. On a non. On a pas ici, on a allé, on a allé. Propose nous, on propose sur quoi nous. Hein? Non, cher. Si on calote pas vidéo à terre, on rigoise d'un côté, on matine à tout côté, ou bien on file courant, on file cam d'un côté, mon cher, bateau à jeto, bateau à ramasser. Ou pas gen droit désobéir grand moun nan. Ou pas gen droit désobéir. Le petit la pou di petit la fait tel bagarre, li di non pa pralé. C'est une insolence mes frères et sœurs. C'est une déception, son désappointement, son désenchantement, son désobéissance. Son rébellion. Yon refus direct. Son impertinence. Pa pralé. Et comme parents, il y a un petit monde qui désobéit comme ça, on a dit bon, pas d'espoir. Ça finit. Temps changé. Parents ont dit moi-même, non, tant longtemps, et bien comme ça, ça a été. Moi-même, qui t'a droit pour papa, m'a dit, font bagarre pour m'a faire. Petit monde, je dis, je ne pas comprendre rien, même non. Et bien, ça m'a dit. Et bien, ça. Deuxième nom, lui-même, lui répond. Gardez pour vous. Il dit la même chose, ce fils répond, je veux bien. Ok, papi, m'bralé, papi, tout sourit, papi. M'bralé, tout sourit. T'es bien clair. Il dit, je veux bien, Seigneur.
Le premier fils dans le texte là, il n'est pas reconnaître comme s'il méprisait l'autorité du père. On pas parler. Deuxième n'a montré papa d'accord avec elle. Il tellement d'accord papa, même relé papa Seigneur. C'est à vos ordres, chef. Une démonstration, il paraît aimable, il paraît respectueux. Nous avons entendu qui nous avons utilisé, oui. Il paraît soumis, il paraît obéissant. Et après, la démarche du second fils, il contrastait, ou bien la réponse du second fils, il contrastait avec la réponse que le premier petit tabac, je ne vais pas parler. Et le premier petit a répond avec rudesse, répond avec un esprit de rébellion. Comment je veux comprendre, mes frères et sœurs? Bon Dieu voulait, bon Dieu réclamait la révérence, la crainte de ses créatures. Bon Dieu, pas non, joue avec autorité. Alors, nous prenons bon Dieu tant qu'on petit marionnette. Nous, mon Dieu, si on continue bout de tonton, une statue, nous prenons, nous mettons de côté, nous faisons ça, nous avec elle. Bon Dieu, besoin que nous ayons révérence pour lui. Bon Dieu, besoin que nous ayons créatif pour lui. Les choses divines doivent être traitées, mes frères et sœurs, doivent être prises et traitées avec sérieuxité. Même si, bon Dieu, grin, t'as grin dans, vous lui dit, au fond, bagaille. Si vous prenez ça au sérieux. Sous quoi mentir dans sa mabdou là, allemand de petit et lio, il y a tout ça. Allemand de finir, il y a tout ça. Sous quoi mentir encore, allemand de petit à ouan yo, qui a osé offrir du feu étranger sur l'autel de Dieu. Oh mon Dieu, son bon Dieu qui bon. Jouer avec l'op connaissez le bon. Tenez bien, oui. Premier petit a dit pas braler. Deuxième a dit papi m'braler, papi chéri m'braler, passe maintenant tête papa, chéri ou connaît chéri dou doum nan papi m'braler. On garde encore le contraste qui gagne entre conduite monsieur ça avec réponse qui au bail. Première petite là, qui était rebelle, insolent, il vient obéissant et pénitent. Pas où ça semblait à publicain, prostitué, que Jean-Baptiste prêchait. Il semblait tout, bon monde ça que le Seigneur te prêchait. Nos premiers temps, pas le temps de le Seigneur, ils t'ont montré, ils étaient rebelles, ils étaient contredisants. Mais là, lorsque soumis à la parole de Dieu, lorsque ont tant de paroles là, ils prend parole là, ils viennent larguer quoi, ils viennent retourner à jeune bon Dieu. Ça tout décrit notre première nature, je nous taille, créature de Dieu, dès le jardin d'Éden, nous avons péché contre Dieu. Et c'est pour nous, ça, qui t'es rebelle. Parce que le péché, c'est la rébellion contre Dieu. Le péché, c'est une désobéissance contre Dieu. Premier petit là, il décrit cette génération d'Adam. Les enfants d'Adam qui ont voté dans le péché, qui t'es péché contre mon Dieu. Nous avons été rebelles, contredisants. Nous ne pouvons jamais faire ça bon devant mon Dieu. Songez Esaïe dans une image, il te dit, cieux, écoutez, tiens, prête l'oreille, car l'Éternel parle, j'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, l'âne la crèche de son maître, Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Et encore, il dit, malheur à la nation pécheresse, malheur. Mais Dieu, dans son amour, dans sa grâce, bon nous deuxième appel, bon nous deuxième chance, il voit un petit lien là, vient mourir pour nous. Nous ne devons pas mépriser le second appel de la grâce.
Il dit, t'es rebelle. Il dit, m'pas bralé. Mais lorsque le temps, Jean Galate dit ça, Paul dit ça dans Galate, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète, lui racheter nous par grâce lui. Et puis, nous sauver, nous ne sommes plus des enfants de colère. La grâce de Dieu est descendue jusque vers nous. Je me rappelle de cette femme. Lorsque Jésus a prêché, il est entré, cœur touché. Le cœur touché, il a baissé la prière. De ses larmes, il lava les pieds de Jésus. De ses cheveux, elle essuya les pieds de Jésus. La beau pied mette là. La essuyé. Elle dit merci pour parole ça. Je voulais quitter parole ou changer le cœur, parole ou changer la vie. Yo, les femmes, ça la pécheresse dans la Bible, la pécheresse pardonnée. Elle a reçu grâce. Elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Lui repentit, la ville changée. Et monsieur Jésus dit ça même dans Luc 19. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, verset 10. Le Fils, le second Fils, qui a été courtois et aimable, mes frères et sœurs, il est devenu désobéissant et décevant. Il te dit, oui, papi, m'bralé, papi, chéri, m'bralé. Il te montre le civilisé, il te montre le poli. Son a qui a une bouche douce, parole doucereuse. Il a une parole, il a une promesse pour le papa, pour faire dormir. Mais le texte a dit, il parle. Et c'est l'univers, c'est notre univers que le Seigneur était en train de décrire. Il y a des gens qui sont dans l'église, ils proposent à mon Dieu. Ils proposent à obéir mon Dieu. Ils proposent à marcher mon Dieu. Mais ils parlent à mon Dieu du tout. Mon Dieu te dit au sujet d'Israël, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Son cœur est éloigné de moi. C'est comme ça scribioté, c'est comme ça pharisioté. Il n'y a pas de quoi dans Christ. Il n'y a pas de travail sincère et pieux devant Dieu. En pile dans nous-mêmes aujourd'hui, nous ne sommes pas sincères dans notre marche avec Dieu. En pile dans nous-mêmes aujourd'hui, nous faisons profession que nous avons servi mon Dieu. Dans la bouche, nous avons une belle parole, mais dans le cœur, nous, Jésus pas mettre nous. Jésus n'est pas roi. Jésus n'est pas seigneur sur notre cœur. La théologie appelle ça la volonté permissive de Dieu. La volonté permissive de Dieu n'est autre chose qu'une désobéissance. Dieu veut quelque chose. Quand Dieu veut, quand Dieu ordonne, il s'attache que nous obéissions. Pas de détour. Bon Dieu, pas de raccourci. Va la route là, il y a un lit pour prendre. Cherchez une ligne directe et vous relayez ça raccourci. Et vous dites la volonté permissive de Dieu. La théologie veut nous perdre. La théologie veut nous porter à nous rebeller contre Dieu. Là, mon Dieu dit, on bagaille, moi, ma voix comme serviteur, nous devons faire. Nous devons dire ça, mon Dieu dit. Nous devons faire ça, mon Dieu dit. Pas chercher de tout. Pas chercher l'autre bagaille. Moi, je dois obéir à mon Dieu. Même je n'ai pas qu'à désobéir par an. Je dois désobéir par an, une fois. Lorsque j'ai accepté Jésus comme sauveur, moi, le jour même,
yo il m'a lâché cigarette, m'dit m'pa bralé. Yo il m'a lâché bolette, m'dit m'pa bralé. Et m'te gen t'entendé que chrétien pas lâché bolette et message même jour. M'dit m'pa bralé. M'ton je tonton m'lè ça parce que m'pa levé en bas éducation papa. Tonton m'dan dit, excusez-moi l'expression, est-ce que fout ou même qui fout puis fout protestant parce que tout fout protestant qui fout qui est sur la terre. Et me prend soufflette. Bon soufflette. C'était le dernier. Jésus fait un grand monde. Amen. C'est le dernier soufflette, m'était prêt à 14 ans. Dernier coup, m'était prêt à 14 ans. M'vin grand monde, le Seigneur. M'accepte Jésus, le fait un grand monde. Un grand monde parce que m'était désobéi. Ce fut mon seul acte de désobéissance envers mes parents. Comme parents, je ne tolère pas si mon désobéir. C'est même j'entends, bon Dieu, pas attendre que moi m'avoir comme serviteur nous désobéir. Pour nous faire ça, nous voulons nous marcher selon la vanité de nos pensées. Nous dit ça, nous voulons nous, ça nous servir dans l'esprit, nous la gueule. Mes frères et sœurs, bon Dieu voulait que nous marchions dans l'union comme des fils, comme des enfants bien-aimés. Nous devons être des personnes spirituelles. Nous devons être des branches utiles au royaume de Dieu. Nous avons une belle feuille. Hein? Nous rebondissons, tout le monde nous voit fraîcheur. Nous sommes utiles au maître. Quelle utilité dans la vie du maître? Vin chita la marche pour dek, talon qui quitte, mette belle veste, ça va être mettre là rien. Travail pour mettre là et ça mettre là besoin. Bon Dieu voulait que moi m'avoir nous camper pour lui, nos générations qui perdu. Si nous regardons l'existence de l'église, si chaque monde qui est là, a travail, dimanche, nous n'avons pas besoin de mettre les gens là, non? Si chaque monde là mène aux amis dimanche là, pas de place pour dimanche. Tout le monde chita sous Seigneur. Tout le monde chita, il veut travailler à la fête. Si contribution pour l'homme, pas qu'à Bali, notre travail là. Nous disons, nous prenons aller, mettre ma fête, oui, mettre ma aller, moi voulez, aller côté, où voulez, bon Dieu, non, monte sur la main en vallée. L'homme est venu, il dit, ah, moi-même, papa, je suis toujours un mal de mer. Pas canon. Les mondes arrivent, le Seigneur connaît, nous pas de machine, bagaille, pas de monter mon, oh, Seigneur connaît tout l'air, tout le jambe, nous faisons. Douleur, le ciel, douleur, voyez de l'autre côté. Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Si l'argent, tout le bagarre, oh, pas de problème, le Seigneur. L'argent. Oh, tout le monde dit à la guerre de la prospérité. Pas de problème avec la prospérité. Là. Comment vous voulez arriver prospère? Le Seigneur voulait moi m'avoir pour camper pour lui dans la génération. Ça. Pour nous dire que nous perdu. Sans bon Dieu, sans espoir. Seul ça pour faire, c'est accepter pour accepter Jésus comme sauveur personnel. Pour gagner la vie éternelle. Est-ce que vous voulez aller? Si le Seigneur m'a adressé à nous-mêmes matin, même je l'ai adressé à Esaïe. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Est-ce que vous avez dit que le Seigneur me voici? C'est un appel, mon Dieu, à adresser à nous-mêmes. Un appel à l'obéissance. Un appel à la repentance. Pas de jour dans l'église à depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans. Le Seigneur n'a pas gardé son nombre d'années. Il garde son obéissance au Kounia. Et ce texte a dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous gardez son nombre d'années, vous chirez. Vous parlez d'en faire avec le nombre d'années. Mais si je dis, accepter font volte-face. Ou dit, mette-moi. Je veux obéir. Je veux marcher avant. Ça va l'autre bagaille qui a privé dans la vie. Permettez-moi de conclure ce matin en vous disant deux choses.
La grâce de Dieu peut sauver le plus vil des pécheurs. Mais la grâce de Dieu, c'est bon Dieu qui descend vers le monde qui est infortuné, qui n'est pas capable. Tout autant admettre qu'on n'est pas capable ou sans force, mon Dieu tout préau. Parce que dans le psaume 51, il est dit qu'il ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Bon Dieu voulait, bon Dieu voulait, pour nous camper pour les non-générations qui ont perdu. Et la religion expérimentale et pratique, deuxièmement, lui voulait que moi remets mon Dieu, moi remets mon qui côté maintenant. C'est notre place qu'on sa bon Dieu mettez nous pour préparer nous pour aller dans le ciel. L'accepter Jésus, immédiatement le décan enlevé. Mais le faire. Mettez dans place ça. C'est une place d'imperfection. L'église est une place d'imperfection. Côté bon Dieu, relève à la perfection. Ce n'est pas seulement l'assemblée des croyants, l'assemblée des saints, mais c'est l'assemblée des pécheurs également. Bon Dieu, mettez-nous là pour le transformer, nous, pour l'aller avec nous, puis devant. Nous devons remettre l'autre. C'est une place d'amour que nous devons exercer l'amour en apprenant à remettre. Tout le monde est l'église à 25 plis dans le front. Oh, moi-même, son monde qui est toujours mauvais, toujours sérieux, toujours ceci, toujours cela. Et pas ça, le sérieux, le vin fait. Le relo pour tendre la main, frère. Ou tout chita, le mon absalue, mon chiton côté. Non, faut qu'il y ait temps. Prends temps pour nous, on compte l'autre. Prends temps pour nous, on bien avec l'autre. Prends temps pour nous, on compte l'autre, pour nous remer l'autre. Le Seigneur, ça, ça le relo, je dis. Qui est souillé parmi les deux fils? Est-ce que tu es rebelle d'abord, c'est toi pour repentir? Ou bien est-ce que tu es gentil avant et pour tomber dans l'apostasie? Le Seigneur relève nous aujourd'hui, pas pour nous tomber dans l'apostasie, mais pour nous servir. Hier, nous avons été des enfants rebelles, contredisants. Aujourd'hui, nous deux des enfants obéissants. L'obéissance, c'est le fait que vous soumettez toutes ou même, tout votre être, corps, âme et esprit, toute votre personnalité, émotion, volonté, intelligence, en bas, mon Dieu, pour le faire de vous-même, salvez, que le Seigneur vous bénisse.